Ministre responsable pour la jeunesse, Vincent Mériton, il demande bonne zène pour abandonner tout bon mauvais comportement qui peut menacer l'existence de sa période que le pays et le monde peut faire face avec une quantité de défis sociaux et économiques. Ministre Mériton, il fait ça l'appel à l'occasion de la journée internationale la jeunesse demain, le 12 août. Dans son message pour marquer la journée internationale à Banzène demain, ministre responsable pour la jeunesse, Vincent Mériton, il dit que ça la journée permet Banzène pour célébrer l'appartenance à sa catégorie l'âge et tout bonne valeur, symbole positif qui est représenté. Il dit que la jeunesse est synonyme vitalité, activité, la force, l'intelligence, la fierté, l'avenir et la vie. Ministre Mériton dit que ça la journée est aussi l'occasion pour partager la richesse, connaissance, l'expérience qu'il tire, l'opportunité de développement entre Banzène, le niveau national et à travers le monde. Il dit que la jeunesse est loyale, la jeunesse est privilégiée. Sa privilège est manifesté par tout ce qu'ils ont accompli, le niveau éducationnel, sportif, culturel, technologie, loisirs, politique et dans les autres domaines. Ministre responsable pour la jeunesse dit qu'il ne faudrait pas que nous banzènes oublier qu'il part tous à travers le monde, qui ont le même sens et que l'opportunité paraît ici. Il dit en même temps que nous banzènes, il faut des épaules et bénéficier avec les autres zènes de bons pays développés. Il est important qu'ils ont offert la même solidarité et support avec les banques qui sont moins privilégiés et moins fortunés. Ministre Mériton aussi dit que la journée internationale banzène est surtout le moment que nous banzènes ont besoin de réfléchir sérieusement comment un zen et comment ban qui pour responsable à venir nous pays. Il a ajouté qu'il est vrai que l'opportunité existait, mais est-ce que nous ban zen peut bien saisir et exploiter cette bonne opportunité? Ou bien est-ce qu'ils ont peut briser l'avenir et la vie de bonnes mauvaises pratiques telles que désobéissance parents, sauve l'école, pas faire les sons, pas travailler, consomme l'alcool et drogue, commettre crime, engage dans la prostitution et expose les corps à l'enseignement balaze, HIV SIDA et les autres dangers mortels. Le ministre Mériton dit son message, il appelle pour Banzène, c'est qu'il dans une période que nous pays le monde peut faire face avec un quantité de défis sociaux et économiques, ce devrait abandonner tout bon mauvais comportement qui peut menacer l'existence. Il dit pour la santé et l'épanouissement personnel, pour l'avenir et la prospérité de nos pays, Banzène devrait être plutôt costé et réunir d'autres efforts de bonne action positive. En nous costé avec sa majorité zen qui peut comporter d'autres d'une façon exemplaire, qui peut inspirer et guider les autres, qui peut contribuer de bien les autres prochains et autres pays, le ministre Mériton dit dans son message. Message ministre, il termine quand il dit que le pays en a beaucoup confiance dans Banzène et qu'en retour, c'est aussi notre mérite de faire nous l'honneur à travers une bonne action.